j'en sors et tout. Comment on va? Coucou! C'est de la maille de l'autre! Aïe! Fallait que j'envoie avant 7h de 6. Oh, j'ai froid. La chemise c'est recyclerie, ça c'est marché de la mode vintage, mon pantalon, vous ne voyez pas mais c'est celui de ma grand-mère, et chaussettes Decathlon, collant calédonien, et le manteau pour mode, ça n'a pas bougé. Alors du coup non, le manteau c'est pas pour mode, c'est recyclerie. Officiellement mon jingle pour les vlogmas. Oui, 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 oui. Ça c'est beau. On est. J'aime bien parce que le coucou on l'entend hyper bien. Coucou, ça y est, c'est bon, ça va rester. J'ai vraiment l'impression d'être quelques un personnage secondaire. Quelques mots pour résumer cette conférence. C'est incroyable. On va conclure ce vlog comme ça parce que j'ai rien filmé. Et demain Shining. Et ça c'est cool. Le cinéma, c'est pas mal. Je l'ai jamais vu. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. J'ai vu l'hôtel, mais j'ai jamais vu. Non, en vrai, la première fois que j'ai regardé, c'était l'année dernière. Donc, j'ai jamais vu tellement beaucoup de films qu'il y avait dedans. Je vais dire tellement peu, mais c'est l'inverse. Je te conseille ça parce que c'est vrai. Tous vu. À chaque fois, on est en mode, oh, le film, il était trop bien. Si t'aimes pas du tout le film, regarde Rex. Ouais, j'ai l'impression que Rex, c'est bien. Franchement, il est génial. Yes. Super. Gladiator. Oui, c'est tout. Bah, c'est tout. Tu me filmes dans le chambre. La vue est belle. Regarde, c'est beau. Bah écoute, ça va. J'ai tapé ma meilleure sieste quand on est arrivé à Avatar. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait Avatar, je me suis endormie. Non, mais pas sur Avatar, avant. C'est ça le souci. C'est que j'ai ouvert les yeux au milieu. Ok. Bon. Il faut que je fasse une machine. Il est 17h39. J'ai jamais rentré aussi tôt chez moi. Il est 17h39. Oh. Je vais pouvoir travailler sur la tenue et ça m'a réjoui. Je lance ma machine et on se met au boulot. Au lieu de me faire un chocolat chaud, j'ai fait un peu dans le vent. C'était pas l'heure. Du coup, on va travailler sur... Alors, c'est les premiers croquis. Donc, pour que vous compreniez, je me suis inspirée de gravures, d'illustrations, de dessins, majoritairement de dessins de costumes de ballet. Parce que Alice au Pays des Merveilles a été adaptée en ballet par Royal Opera House. Opera Ballet, je sais plus. Et du coup, ça fait beaucoup de petites choses, de petits vestons, donc avec des petits plis ici. Sur le devant, ces petits vestons qui s'ouvrent deux ou un bouton.
On a un petit col de veste ou de costume finalement. Et là en fait c'est les triangles, c'est je voulais rappeler un truc mais finalement je crois que... Bah je vais pas faire les triangles parce que je ne sais pas, c'est pas... Ça colle pas dans l'aesthétique. Si je retourne, je paint the rest. Voilà, ça. Voilà, ça c'était mon inspiration, donc le veston. On voit aussi un peu le retour de la veste. Bon, on retrouve à peu près le même scénario, il a une petite veste, ça monte, ses oreilles. Moi les oreilles je vais les avoir, je vous préviens. Voilà, c'est un petit veston parce que bah... Oh, c'est un truc Adidas. Non, c'est un bouton. Oh, j'ai peur. Mais enfin, on retrouve en fait cette idée de petit veston d'un gentleman bien habillé en costume. Vous voyez avec, on a là un col, un petit col avec... soit des lavalières, soit un nœud papillon, voilà, après c'est libre à chacun. Je peux m'inspirer du film, tout comme je peux m'inspirer d'autres choses. Hein. Ça c'est totalement inspiré du film, de Tim Burton. On n'a pas grand chose d'autre, hein. c'est récurrent. Enfin bon, je me suis vraiment inspirée de ça. Et du coup, je suis en train de penser, il va peut-être me falloir une perruque, non? Non, j'achèterai des trucs qui colorent en gris. On va faire ça. Oh, c'est quoi ça? J'aime bien ça. Bon, enfin voilà. Vous avez compris un petit peu, c'est du style un peu gentleman, mais tranquille. Et vu que c'est une tenue de bal et de travestissement, parce que pour que je vous explique, en fait c'est un bal donc pour le 31 décembre, organisé par le ballet impérial, et on va être dans le château de Thoiry que vous avez déjà vu dans... des vidéos précédentes au mois d'août et au mois de septembre. Ils nous prêtent le lieu gracieusement pour le 31. Je dis gracieusement parce que les propriétaires habitent toujours là, au premier étage. Juste le rez-de-chaussée se visite comme un musée, sinon le premier étage appartient toujours aux descendants de la famille à qui appartient ce château. Je ne pourrai pas vous les citer, je vous mettrai un lien certainement en dessous. Donc allez voir. Et c'est vraiment un très très beau château. Il a vraiment une histoire merveilleuse. Il est très très beau. Et la bibliothèque, elle est... Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Donc Clémentine, si tu passes par là, c'est quoi les décorations que vous mettez à Noël? C'est pas très... Alors c'est très excentrique, c'est très moderne, soit, mais ça va pas avec le château. En fait... Comment vous dire? Ils mettent des décorations à Noël qui sont très voyantes, très flashy. On a du violet, du jaune, du rose, du orange. C'est des couleurs qui sont très flashy. Et ça fait un petit peu Alice au Pays des Merveilles, du coup, dans la forêt enchantée, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, quand elle va boire le thé avec le chapelier fou et toute la famille, et bien, c'est un peu cette ambiance-là. Ou la chenille, hein. Ouais, plus la chenille d'ailleurs. Mais enfin, c'est très très bizarre et bah, je ne sais pas. Moi, j'aime pas énormément, mais bon, après, ça ne tient qu'à moi. Mais voilà, on va en revenir à ça. Donc, voilà un petit peu ça. Il y a juste un truc qu'il faut que je détermine. Est-ce que je fais des manches? Parce que là, donc, il va y avoir le col. Ensuite, on a la partie bustier. Ou alors, je fais un bustier et le col, il vient se rattacher. Ouh, elle est maligne. Parce que ces manches-là, c'est pas joli. C'est pas beau. J'aime pas. Parce que, oui, il a un veston, mais moi, pour danser, je veux pas de manches. Hein. Flemme un peu. Ou alors, des manches, c'est ce que je peux faire. J'ai une toute petite trousse, mais je perds mes affaires. Je me fais souhait hein, quand même. Je vais vous mettre en hauteur pour que vous voyez. Oui, vous allez être sur le séchoir. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Mais j'espère qu'il va tenir. Enfin, là, vous voyez, si j'efface là. Ça, là, parce que c'est très laid. Ah, et du coup, il faut que je trouve. Ça veut dire que ça ferait comme ça. Si on part sur l'idée du veston. Et là, tu fais des manches bouffantes. Je
dire tu fais ça. Voilà. Chose comme ça. Pas du tout à la même hauteur, non, c'est compris. Et là, ça me gêne énormément. Je pense que je vais faire des cartes, là. Parce que ça me saoule, ça. Ces triangles, c'est pas joli du tout. Je vais faire des cartes superposées ici. Quelque chose comme ça. Il faut que je trouve quelque chose qui soit léger. Ça me plaît bien, ça. J'aime bien. Maintenant, il faut que je détermine les couleurs. Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui est fin de la matière?
Bon, j'ai cassé ma souris, j'ai pleuré, mais il vient de se passer quelque chose de très très cool. Il y a l'extrait du bal d'Emma Bovary. Attends. Bovary. Non, pas Ilikaku, pas après ça, non. Il y a un gros plan, c'est bon. Bon, voilà ce que ça donne avec... Maintenant, il faut que je détermine. Je pense que je vais tout faire en blanc, à part les cartes, peut-être en jaune, pour avoir l'effet vidéo, et comme j'ai vu sur toutes les gravures. Bon, on va voir. Bon, mes petits agneaux, je vous trouve des surnoms tous les jours. Je voulais vous dire, oui. Je veux aller me faire à manger. Parce qu'il est l'heure de manger. Oui, il est l'heure de manger. Donc, demain, je vais attaquer la toile. Ce soir, je vais me reposer tranquille. En fin de semaine, j'ai su, parce qu'il y a la fête des Lumières, et donc il n'y a plus de transport à partir de 16h sur la presqu'île. Donc du coup, ils sont obligés de nous lâcher avant 16h si on veut rentrer chez nous et autres. Et il nous lâche à 15h40. C'est-à-dire que jeudi, vendredi, je vais être chez moi à 16h. Il va faire jour. Déjà là, il faisait jour. Vous vous rendez pas compte, on finit à chaque fois tellement tard que je me lève le matin, je pars, il fait nuit, je reviens, il fait nuit. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu le soleil. Mais du coup, voilà. C'est une bonne journée de fini. Et puis, je vous mets le lien de l'extrait en barre d'infos, mais je vais vous le mettre aussi ici. Que bon, c'est pas que j'ai pas énormément filmé, mais presque. Donc si je peux mettre 2 minutes de vidéo en plus, allez, banco. Enfin bon, voilà mes petits agneaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche sur toutes les notifications et d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo si elle t'a plu. Sur ce, je te dis à demain pour le prochain vlog. Ciao, goodbye. Madame, vous permettez ? Ah oui, bien sûr. C'était magnifique. J'aurais bien dansé moi aussi. Oui, t'as raison. Mes sous-pieds me font mal.
J'aurais pas été très à l'aise. Bon, on peut rentrer maintenant ?